Bonjour, un petit tuto pour remplacer en fait des pédales de vélo sur un VTT, vélo d'homme, femme en fait. Ça sera le même principe. Après, ce qui va changer, c'est la taille de la vis qui est ici, donc à visser et à dévisser en fonction des vélos. Donc celles-ci sont neuves. Voilà, on va remplacer les deux anciennes sur le vélo. Voilà, donc les pédales qu'on va remplacer, hein, celles-ci sont bien abîmées. Voilà. Donc c'est une clé de 16 pour moi. Donc on va pouvoir dévisser la pédale. Voilà. Je me mets de façon que je puisse le dévisser tranquillement. Voilà. Une fois qu'on a un peu dévissé, ça vient tout seul. Allez, une qui est sortie. On s'attaque à la deuxième. Voilà. Celle-ci, elle vient aussi. Et voilà. Allez, on peut remplacer donc les pédales. Voilà, jusqu'à qu'elle prenne. Voilà, une fois qu'on a tout serré à la main, on termine avec la clé. Et ouais, c'est nickel. Voilà, la pédale est montée. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, une fois qu'on a fait mordre, on serre. Faire attention à ne pas se tromper, bien sûr, de sens, parce qu'on peut tourner pendant des heures et des heures. Voilà, donc on fait ça. Voilà. On finit avec la clé. Youf. Et voilà, et on serre à la clé. Allez, voilà. On vérifie que ce soit bien serré d'un côté comme de l'autre. On va regarder l'autre pédale. Ici. Voilà. Et on a remplacé les deux pédales. En espérant que ce petit tuto pour un remplacement de pédales sur un VTT, un vélo homme-femme ou enfant. Après, ce qui va changer, c'est la taille en fait de l'embout pour visser. Là, c'est du 16. Donc voilà, une clé de 16, ça se prend 5 minutes pour changer des pédales. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous dirai à la prochaine. Une bonne journée.